Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Shani! Et on se retrouve, on est sur Minecraft, Let's Play Minecraft en version 1.9 hein, pour les nouveaux, au cas où tu le saches pas. En monde customisé, donc. Le nombre de donjons est 7 à 100, ce qui explique un peu la profusion de donjons que j'ai ici. Et là, on est sur mon donjon araignée et ma version du spawner pas du tout automatisé, mais qui récolte assez bien. T'as fini de me tarter, oui? Qui récolte assez bien les araignées. Parce que là, en ce moment, j'ai besoin d'œil d'araignée, hein, pour un petit projet que j'ai, quand on va bosser dessus aujourd'hui. Et on va faire un tour de mon terrier, parce que ma petite base souterraine, là, il y a mon village au-dessus, ça c'est ma base souterraine, et elle ressemble de plus en plus à un terrier, ou plutôt à une fourmilière. Vu le bordel que c'est, j'ai bossé beaucoup hors cam, comme ça dans pas longtemps, hein. Je le remets en téléchargement, à l'épisode 20, le monde sera en téléchargement, comme ça me laissera le temps de finir quelques trucs. Donc dans l'intro, vous avez pu voir mes différents spawners, ma petite base... Et puis vous avez pu voir aussi ma petite slime farm qui est en cours de construction. Hop, rangeons un peu les fils d'araignée parce que les yeux, on veut les utiliser assez vite. Hein. Zou, 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 comme ça. Rangeons un peu, comme ça, quand j'arrive, j'ai juste à jeter les fils. Oui, parce que dans la version 1.9, les automatisations de mort d'araignée ne donnent pas les yeux, ça donne que les fils. Et moi, j'ai besoin des yeux. Ouh, ma belle slime farm. Bon, pour l'instant, elle est en refondure, hein. On n'a pas bien bossé, mais en clair, les slimes tombent et viennent se frotter ici au cactus comme ça, tiens. Oh, mon cactus. En voulant atteindre l'iron golem. Et des fois, quand il tombe, il meurt. Alors, je viens jeter un coup d'œil et je récolte au travers des différents hoppers. Ça fait partie de la config spéciale de mon monde, c'est-à-dire que le fer est à profusion. On a des gros ajouts de fer. Et ça, c'est mon petit canaping pour quand je squatte ici, tu vois. T'as la session canapé, là, ça récolte... les slime balls, et ici on a des petites furnaces, la petite table de craft pour faire son petit métier, tranquille. Ensuite, à l'épisode précédent, on avait bossé un peu sur le spawner à squelette qui est ici, donc les squelettes spawn tombent ici, et on a un bouton pour choisir le mode les squelettes tombent dans la lave, ou les squelettes sont prêts à être farmés. Ah, j'aime beaucoup, on va monter. Il faudra que je fasse un ascenseur ici, parce que ça c'est chiant. Mais voilà un peu la zone à squelettes. Donc, les squelettes spawnent, et ils vont directement tomber en bas. Tu vois? Coucou les squelettes! Allez, va crever Maurice! Et voilà, ils tombent ici. Alors ils peuvent nous voir, mais les flèches sont bloquées par les half slabs. Et ça c'est cool. Coucher! Coucher! Ben non, elles sont pas toutes bloquées par la slab. Et il suffit de monter ici pour récolter les différents matériaux. Oui, comme tu vois, j'ai un peu farmé. Un petit peu. Un tout petit peu. Hop, des arcs. Et voilà tout ce qu'on peut récolter dans ce spawner. Donc, on a vu l'araignée pour la récolte des yeux. Ici, c'est mon squelette pour tout ce qui est squelette. Là, c'est mon trieur à zombies. Je vous montrerai comment ça marche dans pas longtemps. En clair, les zombies tombent, et ici, j'ai des trappes d'or pour pouvoir les trier. Et comme ça, quand il y a un zombie villageois, je peux le convertir. C'est ça le but ultime. Et donc ici, on a le spawner araignée qui fait tomber les araignées en bas. Et hop, tu vois, elles tombent directement là en bas. On va sauter. Et ça atterrit ici. Hop. Et tu récoltes, et de temps en temps, il y a un spider jockey, ce qui fait qu'on récolte aussi de temps en temps des flèches et des os. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Ah, le plus chiant, tu vois, c'est le temps que je passe dans les échelles. Dans mon petit trou à rats, mon petit terrier, là, il y a beaucoup d'échelles. Et ensuite, un peu plus haut, on a le spawner zombie. Alors ici, il est allumé, parce que j'ai fait une petite automatisation pour l'allumer. Hop, on l'éteint. Ici. Les zombies vont spawner, mais oui, même s'il y a des torches et que ça a l'air illuminé, ça les empêchera pas de spawner. Oh, on a un chicken jockey qui est apparu, regarde, il est là. Et il va être poussé contre la trappe d'or par les autres, et ça va le tuer. C'est mon système à moi pour pas avoir de mini zombies ni de poulets.
Et pendant ce temps, tu vois, il y a la chute libre du zombie, et en plus, il y a un petit truc qui est bien, c'est qu'il y a ce minecart ici qui est paramétré de telle sorte que quand je suis en bas, ça fait spawner les squelettes, et quand je suis en haut, ça fait fonctionner le duo spider et zombie. Donc si je squatte là, logiquement, dans pas longtemps, on va voir les spiders tomber, et puis il y aura une pluie de zombies aussi. Logiquement. Il faut le temps qu'il tombe, hein. Comme je suis vraiment à la limite de la zone de spawn, parfois c'est un peu long à s'enclencher. Ça marche? Ah oui, et les araignées viennent de spawner, j'ai vu les petites flammes et plouf, tu vois? Et les zombies tombent. Il pleut des zombies, il pleut des zombies, il pleut un zombie. Et quand je vais là-bas, donc, tu vois, un petit coup de minecart, on automatisera ça un peu plus tard, mais ça fait tomber les squelettes. Et donc, dans l'idée que j'ai pour ce minecart, c'est de l'automatiser avec une horloge à hopper. Et comme ça, toutes les minutes, tu vois, ça va d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et j'accumule les mobs. Mais aujourd'hui... Oh, ouh, ben on a le zombie villageois, c'est bien ça. Ouais, je l'ai vu, il y en a un. Donc, quand on a un zombie villageois, on vient ici et on fait le tri. Donc le fait d'avoir toutes ces trappes d'or, ça va séparer les zombies. Tu vois, hop, un par un. Hop. Et une fois arrivé au bout, ben ici, je peux voir est-ce que c'est un que je trouve intéressant ou pas. Et j'ai mon petit levier qui vient ici pour décider entre la zone de mort et la zone de je te sauve. Là, c'est la je te sauve. Et là, c'est la mort directe dans la lave. Donc lui, il va aller direct se baigner dans la lave. Suivant. Lui aussi, il va aller prendre un bain. En fait, laver était moche. Et vous l'entendez crever. Suivant. Ouh, toi aussi t'es moche. Et donc notre zombie suivant est un zombie villageois. Donc quand c'est un villageois, tu vois qu'il est mignon, on veut le sauver, il est mignon. Donc là je vais pas l'envoyer direct à la mort, je vais d'abord aller pousser mon petit levier. Qui enclenche un piston en dessous et... Voilà, maintenant... La 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 la, coucou le zombie. En plus il a pris une plume, cool, il va pas despawn. Et donc lui il va direct... Dans ma zone de traite des zombies, hop, tu vois, il va arriver ici, il va monter. Et là, sous le centre, va le bloquer. Je suis débile, il faut que je change ça. Ah, il va crever. Alors, quant à ce problème-là, il y a une solution assez simple et assez rapide. Excusez-moi, je me suis gratté un peu avec le micro. Hop, je fais ça, et hop. Et quand il vient par ici, un piston l'empêche de revenir en arrière. Et t'es bloqué, Maurice, t'es bloqué. T'es bloqué, ça me laisse le temps à moi d'aller me saisir de tout ce que j'ai besoin pour convertir un petit zombie villageois. Et d'ailleurs, je vous montre, j'en ai déjà fait un. Hein, mon premier villageois souterrain. Je l'ai gardé parce qu'il me donne ça, tu vois, contre ça, il me donne des émeraudes. Et dans pas longtemps, on va pouvoir faire des fermes auto pour récolter tout plein d'émeraudes. Ah, le pognon. Hop. Récupérons les champignons. Ici. Les champignons là-dedans. On prend potion de weakness. Alors j'ai remarqué une petite différence, c'est qu'avant pour faire une potion de weakness, il fallait commencer par mettre de la netherwart dans de l'eau, et ensuite t'ajouter un œil d'araignée fermenté, puis de la gunpowder pour faire splash. Et ben plus maintenant, tu mets direct ton œil d'araignée fermenté. Et ensuite ta gunpowder pour faire splash potion, mais... Il n'y a plus besoin de la netherwart. Il est où mon petit zombie? Coucou! Tiens, prends ta douche. Prends ta douche. Voilà Maurice. Et tiens, hop, et vous avez entendu le petit bruit significatif qui signifie « Ah, je vais être converti !» Allez, on va passer au projet suivant. Je vous ai montré les spawners, à de suite. Nous revoilà, et parce que là, j'ai eu la petite idée de vous montrer comment on fait un ascenseur de feignant, c'est-à-dire sans aucune automatisation de redstone, on peut monter les étages grâce à la 1.9. Hein. Alors pour ça, il faut se saisir d'un bouton, et est-ce qu'il sera bien placé là? Je ne sais pas, on va voir... il me faut un bloc. Je crois qu'il me faut un bloc ici. Oui, il me faut un bloc. Voilà. Tu mets un piston. Un piston collant. Avec un bloc au-dessus et un bouton sur le bloc à côté. Et quand t'appuies, tu montes d'un étage. Et donc si on répète ça, on peut monter de la hauteur qu'on veut. Il suffira d'appuyer sur les boutons. Non, mais ça fait deux fois que tu te plantes, Chani. Arrête tes conneries. Hop. Casse ça. Et ça va nous permettre de faire le test au-dessus c'est des slabs. Half slab. Et je vais voir si on peut passer au travers. Il me faut un bouton. Merci. Donc là, est-ce que ça monte ou pas? Non, ça bloque. Ok. La slab bloque. On va enlever la slab d'au-dessus. Casse ça. Casse ça. Et non, ça là. Et voilà. Et tu remets une slab. S'il te plaît, remets une slab.
Voilà. Et donc, quand j'appuie sur le bouton, hop, et je suis à l'étage. Et ça, juste en cliquant sur trois boutons. Trop fort. Je verrai si on peut pas les automatiser en Redstone plus tard, mais pour l'instant, j'ai mon ascenseur de feignasse. Et vous voyez, c'est super simple à construire, hein. Est-ce que si... Pendant que je bossais à côté, les squelettes ont spawné. J'ai voulu faire un peu de redstone et je me suis planté, donc je viens de fouiller les squelettes. Ils commençaient à s'amuser sans moi en fait, ils se tiraient dessus. Elle meurt. Et ce qui est bien avec l'épée, c'est que maintenant elle fait de la zone. Ah ah, zone de dégâts. Meurs. Donne-moi de la bonne XP à papa. Voilà. Voili, voilou et... Voilà. Nous revoilà. Et cette fois-ci, je vous montre où j'en suis de mon projet ville dans le Nether. J'ai commencé ça sans vous. Et on va commencer à bosser dessus ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire une ville type Maya, un cas avec une belle pyramide et tout, pour le Nether. Pourquoi? C'est mon envie. J'ai envie de faire ça comme ça. Alors, on va casser ça. Puis, on va casser ça. Et puis, on va commencer à poser la déco. Est-ce que ça et ça, c'est... Non, c'est trop petit, c'est pas beau. Je veux des escaliers de 3, moi. Parce qu'en fait, j'ai eu de la chance, et on le verra ensemble, c'est que j'ai une forteresse à 2 pas, et donc je vais y construire un petit pont. Un petit patapon. Mais d'abord, un peu de déco. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre de la cobble, descendre 2-3 blocs, 2 et 3, et on remettra un pet de cobble ensuite. Voilà. Et j'ai fait que la base de la pyramide, vous inquiétez pas, on fera toute la déco ensemble pour faire une pyramide qui en jette. Un truc qui tue. Une vraie ville dans le Nether. La ville des Pigmen. Il faut leur faire une petite ville à ces saletés. Toi, dégage. Là maintenant, c'est de la coco. Parce que la coco, c'est la vie. La coco, c'est la vie. Et hop. Et hop. Et encore. Hop. Hop. Et hop. Et on continue. Tac, tac. Hop, 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 yep, 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 non il est mal placé, non il est bien placé, hop, fuck, 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 fuck. Ah, ne t'énerve pas, voilà, et puis on va commencer le petit pont, donc tout droit là-bas il y a une forteresse, à une centaine de blocs, que je vous montre, est-ce que je peux y aller? On va aller voir ensemble. Ouh, y'a un ghost. Tiens, il m'a vu. Aïe, 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 saloperie. Crève. Et vous la voyez au loin. La petite forteresse. Hop. Et savoir qu'au bout du pont, il y a un blaze spawner. Donc on y bossera sûrement dessus dans pas longtemps. Tu vas mourir, oui. Voilà. Tiens, aïe. Voilà, crève. Fallait pas me faire chier. Donc vous la voyez là, il y a la petite forteresse. Et vous voyez, j'ai fait un petit escalier pour monter. Sachant qu'au bout, il y a un spawner à blaze. Et je l'ai déjà coffré. Si vous savez pas, pour empêcher les blazes de spawner dans un spawner à blaze, il faut faire un coffrage. Il faut entourer de cobble, de blocs. Pour leur enlever toute zone de spawn. Voilà, et nous on va retourner à notre petit pont. Et on va bosser ensemble rapido dessus. Je sais pas comment je vais monter ça, mais on va bosser ensemble dessus. Hein. Donc l'idée, ça va être de la stone brick. J'en ai assez. Hop, il me faut des steaks. Ah, c'est mieux. Et on ferait... Hop, 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 hop. Dégage de la foutue slab de merde. La la la... Hop. Et la 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 la. Et nous revoilà là, ici et là on supprime. Puis on va faire un escalier qui monte, hein, donc truc assez simple, tout en slab pour avoir un beau petit panel montant. Voilà l'escalier terminé. Et ça c'est pas très beau, donc on va encore supprimer. Ça et ça, j'habillerai tout ça sûrement à la fin de l'épisode hein, parce que là c'est assez moche. C'est assez moche. Donc, continuons. On va avancer et je vais vous montrer là-bas au loin.
Là-bas au loin, pas tellement loin en fait, si tu regardes, je fais tout mon petit chemin. Et ici, il y a mon coffrage. À l'intérieur, au milieu, il y a mon spawner à blaze. Puisque maintenant, pour faire des popos, il faut des blaze. De la poudre à blaze. Donc il faudra que j'automate. Et ouf! Ouf! Mort de cul! Mort de cul! Mort de cul! Non, 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 tu m'as pas vu le ghast. J'existe pas pour toi. Casse-toi, Shiny. Casse-toi, casse-toi. Reste pas au bord. Il est là! Ouh, il aurait pu m'envoyer direct dans la lave, la saleté. Crève! 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 Alors, on va aller le buter avant qu'il me tue. Coucou! Oui! Non! Renvoyé! Tu vas prendre une flèche, toi. Tu vas prendre une flèche. Si tu continues, tu vas la prendre, taf. Oups, il revient, il revient, il revient, il revient. Non, 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 non. Ouh. Tiens. Je l'ai tué avec sa propre boulette. Yes! Bon. Un vrai château fort, un vrai forteresse, parce que là ça flotte un peu, c'est un peu moche, donc on va rajouter de la coco, de la stone brick, de la stone et de la stone brick, là, comme vous voyez. Puis on a le petit pont que je vais décorer au fur et à mesure. Là je manque d'éléments, hein, donc c'est pour ça. Hop, 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 et puis on va retourner à la pyramide là-bas pour faire un petit détail. Je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, hein, pour terminer l'épisode. Histoire de voir ce qu'on peut rajouter de sympathétique. Donc ici, j'ai rajouté les escaliers pendant que vous étiez pas là. Histoire de monter plus vite. Et donc,
qu'est-ce que le chien y fait? Quand vous n'êtes pas là, déjà, il décide de la déco qu'il va mettre sur ces blocs. Il va me falloir un peu plus de slab de stone, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi les. Merci. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'ici, on fasse... Eh bien, à chaque fois qu'il y a de la stone brick, sur la droite, on va mettre... Donc, vous voyez comment j'ai posé ça. À chaque fois, c'est un peu au hasard. Je trouve un bloc à un endroit, et puis j'ai fait le tour avec de la stone pour faire ma petite pyramide. Et la pyramide ira jusqu'en bas du nether. Donc, j'ai encore du boulot. Hein. Et à droite de la coco, on mettra... On laissera la stone. Yes. Donc, slab de stone pour quand il y a la stone brick, et stone... Et à côté de la coco, on laisse la pure stone. Oh, pure stone. Donc là, hop, stone brick. Comme ceci. Ah, la déco, qu'est-ce que j'aime ça. Moi, c'est des petits détails comme ça qui font qu'au bout d'un moment, quand tu bosses beaucoup dessus, et ben t'as un monde qui te ressemble, et qui va être super sympathique. Et coco, stop, on a bientôt terminé ça. Et puis après, je vous montrerai un peu comment c'est chiant de préparer les niveaux pour faire cette pyramide. Puisqu'en fait, il faut que je rase petit à petit les îles autour et que j'enlève les zones de Netherrack. Bon, je laisse tout ce qui est à l'intérieur de... tout ce qui est à l'intérieur en Netherrack. On fera le tri ensuite pour mettre les fermes qui seront dans le Nether. Mais donc voilà. On va regarder de loin ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, ça donne beaucoup de relief, tu vois. Alors que c'est juste un changement de texture. Ensuite, on va passer à droite. Ou à gauche. Non, plus... T'as fini de me faire chier, Pigman. Ici, il manque la stone. Ça m'a frappé. Voilà. Ah. Et donc, quand vous êtes pas là, eh ben, je vais vous montrer ce que je vais faire entre deux épisodes. Et d'ailleurs... N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez voir pour le prochain épisode. Cette série, c'est aussi la vôtre. Et le meilleur moyen de voir de ça, enfin, que le prochain épisode te plaise, c'est de participer en disant « Moi, j'aimerais bien voir ça. » Donc, comme tu vois, ma pyramide descend jusqu'en bas ici, pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il fait du chani quand t'es pas là? Eh ben, je vais comme ça, je prends ma pioche. Comment? Et puis c'est parti. Alors, des pioches, j'en ai gaspillé. Pouf. Une chance, j'ai des spawners à... Enfin, c'est pour ça que j'ai bien bossé sur les spawners, c'est parce qu'il me fallait de l'XP pour faire des pioches. Allez, barre-toi. Et voilà ce que je fais les trois quarts du temps. Donc, comme je disais, les poulets, vous pouvez soutenir la série dès à présent en laissant des pouces levés et des j'aime, vous lui tabassez la gueule, vous lui envoyez une boulette de gaz dans la face. Hein? Et puis, dans les commentaires, vous me dites ce que vous pensez du travail déjà accompli et de ce que vous aimeriez bien avoir sur le monde avant l'épisode 20, sachant que c'est dans pas longtemps, alors il faut se bouger un peu le derche. Hein. Et puis c'est tout. Et puis moi je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pour l'instant moi je bosse sans toi, tu vois. Plop, 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 plop. J'adore. Bon le truc sympa c'est quand t'as Efficiency 4 ou 5, je sais plus lequel j'ai sur cette pioche, c'est que ça va vite. Bon, il faut faire de temps en temps des jumps, hein, mais c'est sympa, ça va vite. Et voilà, pour te donner une idée du travail accompli, c'est que voilà le temps que ça prend. Et comme je disais les poulets, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Hein, j'espère que le travail vous a plu. Moi, je vous remercie. Et pour ceux qui sont en vacances, je commence à vous souhaiter des bonnes vacances. Aux autres, je vous souhaite un bon week-end. Et j'espère que tout le monde va bien s'éclater. Allez les poulets, sur ce, je vais vous laisser. Allez, peace. Bye bye.